Les mailles du filet judiciaire se resserrent autour de la présidente brésilienne. Dans le cadre de l'enquête sur le scandale géant de corruption impliquant l'entourage de Dilma Rousseff, la police a effectué ce lundi une série d'arrestations et de perquisitions. Dans son viseur, l'ancien directeur de campagne de la chef d'État, João Santana, absent du Brésil en ce moment. Sont aussi visés des dirigeants du groupe de BTP, Odebrecht. Au départ, l'enquête dite « Carwash » concerne surtout le géant pétrolier Petrobras, soupçonné d'avoir bénéficié de pots de vin en échange de contrats surévalués. Les procédures ont commencé il y a 2 ans et des douzaines de chefs d'entreprise et d'hommes politiques ont été mis en cause.